Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo découverte de Bleed. D'accord? Je suis avec Latius34. Salut. Donc Bleed est sorti hier sur Steam Greenlight, c'est ça? Oui. Il est développé et édité par Ryan... attends, Campbell, c'est ça? Le whisky. Comme le whisky, Jean Campbell. Voilà. Non, on s'aime pas alcoolo. Alors j'ai déjà fait le premier niveau, donc... voilà, bien la bière. On va passer au deuxième, comme ça vous serez pas spoilé pour le premier. Ouais, vous serez spoilé pour le deuxième. C'est ça, ouais, pas grave. Mission 2. J'adore ce petit jeu. C'est trop marrant. C'est rigolo. Donc en fait, c'est du 8 bits. Voilà. La bande son, c'est du 8 bits. Ouais. Ça, c'est un peu pixelisé. Bien vu dans Minecraft. Non, c'est pas aussi pixelisé que Minecraft. Bon. Moi j'aime bien, c'est marrant. Donc bleed, ça veut dire saigner, c'est ça? Ouais. Non, ça veut pas dire saigner. Bleed, si. Saigner, c'est bleeding. Alors, d'accord, je suis mort. Bon, ça sert à rien. Donc, to bleed, c'est saigner en anglais. Ouais, je sais. Ah! Donc, comme vous pouvez le voir, il y a du temps et on a une vie. Ah, bon. Ah oui, c'est vrai, on peut sauter. Ok, je suis encore mort. Donc le jeu est que en anglais. Moi je fais du 2-0. Y'a personne dans ton équipe? Enfin, de l'autre côté? Bah si, je fais du 2. J'ai failli mourir une fois. Ah ouais. Je le sens bien, c'est parti. Ok, c'est bon. On a réussi. D'accord. Oh, on en a 630 et tout quoi. Allez. Ah oui. C'est pas toi qui l'a. Donc dans allez. Ce jeu, vous incarnez. Comment s'appelle celle qu'on incarne? À moins qu'il n'y ait pas de prénom. Aucune idée. Donc il coûte 4,99, c'est ça? Ouais. 4,99 sur Steam Greenlight. Voilà. C'est pas très ouais, cher. Ouais, sur Steam, quoi. Ouais. Donc, vas-y. Bon, ah, voici notre arme. Voilà, 3 roquettes. Je sais pas si vous avez deux armes. Mais... Quoi tu fais un fou, toi? Mais... Ouf! Oh là là! Fait chier. Au niveau, il était plus facile. Ouais, forcément. Mais vas-y. Bon, on va essayer de faire le premier niveau, c'est pas grave, hein, là, spoil. Easy. Easy peasy. Easy peasy ma gueule. Oh, tu sais pas du combien j'ai fait. Là, tu sais pas du combien je fais. 5-2. Du 11-1. Oula. C'est pas possible. J'ai eu un hélico... Donc, je joue à la manette, hein. C'est plus facile. Oula. Enfin, moi, je trouve que c'est plus facile avec la manette. Ah, là, je fais du 11-2. T'inquiète, après je viens de te rejoindre. Pour te buter. Ah, on a déjà fait, jamais fait un contre tous les deux. Si, on a déjà fait un, je t'avais buté. Ouais, non. Si, si. Pas quand j'avais mon Windows alors. Oui, ça. Oui, quand j'avais le Mac, c'était un moment quand même. C'était une semaine. Enfin, quand j'avais le Mac, je l'avais il y a une semaine. Putain, j'ai fait du 12-2.
Voilà. J'ai fait une taille de bonne partie là. Donc là, faut utiliser un peu de super pouvoir pour monter, pour faire des doubles sauts. Oh, je suis tombé. Putain, il y a des mecs qui jouissent dans ma partie. Donc moi perso, je vous conseille de jouer avec la manette. Hein. Donc on peut jouer en coopération, mais c'est sur un ordi. Donc un au clavier, un à la manette. Donc c'est coopération locale. Oh là là. Et les joueurs 2 peuvent venir à n'importe quel moment dans la partie. Il peut quitter après, s'il arrive pas, il quitte, après il revient. Il rage quitte. C'est ça. Pas grave. Là, on arrive bientôt au boss. Donc vous avez munitions infinies. Je le dis pas ça, il n'y a pas de munitions quoi. Oh bah. Non, je ne joue plus à Team Fortress, je l'ai désinstallé. Je le dirai après. À qui tu parles? On m'a envoyé une invitation sur TF2. Tirera après. Regarde là. Ah oh. Ah oh. Ah oh. Mais. Wow, ha. Mais vas-y, boulet de canon. Oh, c'est plus facile à jouer comme ça, faut pas que je voie les touches de la manette. Non mais... Mais... Voilà. Oui, il y a un jeu qui a l'air pas mal. Ça s'appelle comment? Dark. Ouah, wow, c'est profond comme titre. Mais arrête. Ils sont dans le noir? Oui, c'est assez sombre. Ouais, c'est une sorte de vampire avec des super pouvoirs. Mais un méchant vampire, hein, comme dans Twilight. En toilette. Twilight, c'est de la merde. Vive Vampire Diaries, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le magasin Steam? Et quoi comme jeu gratuit intéressant? Marche à foire. C'est le premier. Je vois les screenshots. C'est quoi comme type de jeu? FPS. Bon, ça ressemble pas à un FPS. C'est du 2 dessus. Oui, c'est un FPS, mais c'est un... RTS, je crois que c'est ça. Une vue dessus, c'est RTS, c'est ça? Quand tu veux que je l'esquive, lui? APB, tu l'as encore? Non. Oh, ouh. Et voilà. Au revoir. On va aller là. Non, je n'ai plus le jeu, donc arrête de m'inviter toi. Oula. C'est qui? Je sais plus. Ah, oh, je t'aurais pas en vidéo. Oh, oh. Ouais, rien de gratuit d'intéressant. Ouais, Arma 3 bêta, 35 euros.
c'est une bêta. Ah, Steam Green Knight, c'est les jeux qui ont besoin du soutien. Je me suis jamais renseigné en fait. Et voilà, bah je pense que c'est tout pour cette vidéo découverte. Donc franchement, ce jeu, moi j'aime bien. C'est marrant. Donc vous pouvez jouer en solo, en coop. Ah, arcade mode challenge. Ah, j'avais pas vu ça. Donc côté d'histoire, nanana, pour le temps, nanana. Ah cool. Donc franchement, moi je vous conseille ce jeu. Est-ce que toi tu le conseilles? Oui, j'ai vu des vidéos dessus, il est magnifique. Enfin... Bien sûr. Voilà, c'est du Battlefield 4, voilà. Mais non, mais... Voilà quoi. Il est pas magnifique niveau graphisme, il y a mieux, mais bon, c'est un très bon jeu. Oui, c'est sûr, il y a mieux. Ouais. Garde, dans le menu principal, elle a une glace, mais sauf que c'est la glace infinie. Parce qu'elle la suce, et... Soit t'as les Donc voilà, je vous dis à la prochaine, peut-être pour d'autres vidéos découvertes. Ciao. Ciao.